Kurosane surveille de près les intrus. Mais chaque jour, il s'approche un peu plus près. L'automne ne dure pas longtemps dans la vallée de l'enfer. Le clan doit prendre des forces avant l'hiver. Certains arrachent les champignons des arbres, tandis que d'autres fouillent la terre à la recherche des dernières châtaignes de la saison. Tandis que le groupe est occupé à chercher de la nourriture, un des mâles extérieurs échappe à la surveillance de Kurosane. Il a repéré une femelle qui traverse la vallée. Lorsqu'elle essaie de s'enfuir, il devient agressif. Séparée de son bébé, mais elle se précipite pour le protéger, tandis que ce dernier prend ses jambes à son cou. Sa fille aînée tente de lui venir en aide, mais elle est repoussée par le puissant mâle. Kurosane et les autres mâles se précipitent au secours de la femelle et mettent l'intrus en fuite. Mais Kurosane et Shirosane sont à ses trousses. Ils l'immobilisent au bord de la rivière. Mais l'intrus réussit à leur échapper et se met à l'abri en s'abandonnant au courant.